Voilà. C'était là. La façade est la même que sur les photos et la nuit tombe comme ce soir du 2 février 33. Et moi, qu'est-ce que je suis venue chercher ici? C'était il y a si longtemps tout ça. Madame et mademoiselle gisaient sur le palier du premier étage. Elles, les deux sœurs, on les avait retrouvées blotties l'une contre l'autre dans leur chambre tout là-haut, la chambre des bonnes. Deux domestiques, deux sœurs ont tué leur patronne dans des circonstances tellement abominables que la plume du journaliste pourrait presque renoncer à les décrire. Au numéro 6 de la rue Bruyère, derrière la belle promenade des Jacobins, habitait depuis 3 ans dans un immeuble de belle apparence, Monsieur Lancelin, avoué honoraire, sa femme, Madame Lancelin, née Léonie Ringer, 53 ans, et leur fille, Mademoiselle Geneviève Lancelin, 27 ans. La famille Lancelin devait dîner jeudi soir chez Monsieur Ringer, rue des Chanoines, au numéro 3. Monsieur Lancelin passa chez lui vers 7 heures pour prendre sa femme et sa fille. Il fut assez surpris de trouver la porte cochère fermée au verrou. Monsieur Renard, notaire, boulevard Levasseur, gendre de Monsieur Lancelin, s'en alla lui aussi vers le domicile de ses beaux-parents, toujours fermé. Il remarqua une faible lumière dans la chambre des bonnes. On sonna, pas de réponse, prévenir la police imposait. Les deux agents arrivèrent bientôt, mais la porte cochère restait close. Il fallut passer par le numéro 8 et l'agent Vérité sauta du mur. Les agents pénétrèrent alors dans l'immeuble. Au rez-de-chaussée, personne. Ils gravirent l'escalier au premier étage. Quel horrible spectacle les attendait. Sur le palier du premier étage, deux cadavres étaient étendus presque parallèlement. C'était ceux de Madame Lancelin et de sa fille. La tête et le visage de Madame Lancelin étaient absolument écrasés. Des gouttes de sang avaient jailli sur les murs, maculant un tableau placé à 2 mètres du sol. Sous le corps de Mademoiselle Lancelin, on trouva un couteau sanglant. Mais la plus lamentable trouvaille faite par les enquêteurs fut celle d'un œil qui gisait sur la deuxième avant-dernière marche de l'escalier. Les deux coupables n'étaient pas loin. L'agent Vérité, laissant là les cadavres, monta, suivi de ses collègues. Porte de l'étage supérieur. Personne ne répondit. Il les ouvrit, sauf une, celle de la chambre dans laquelle les deux filles Papin se trouvaient. Monsieur Dupuis, commissaire central, fit appeler un serrurier et on força la porte. Christine et la Papin étaient là, couchés dans le même lit. Le marteau qui avait servi au double crime traînait à terre. Les deux filles sursautèrent, puis elles avouèrent avec des accents hachés, frémissants, qu'elles avaient tué. L'aînée déjà prête à la déclara que c'était pour se défendre. Le tout premier article était signé Fernand Bocage, le jeune reporter de permanence ce soir-là au journal La Sarthe. Après lui, d'autres signatures bien plus prestigieuses dans la presse nationale. Toutes reprennent sa version. Mais Bocage, lui, semblait bien avoir une longueur d'avance. Il était là-bas quelques minutes après la découverte du crime. Est-ce lui qui a pris les photos? Le vide. Bocage est mort en 84, et à la libération, la Sarthe est devenue le Maine libre.
Plus de dossiers papins dans les archives du journal. Seulement le souvenir du passage de Fernand Bocage. Il est engagé à la rédaction du Mans. En octobre 32. Ça fait qu'un an qu'il est au journal. Hein. À peine un an. Hein. Quand il est sur l'histoire, tu penses que ça l'a marqué? Et de fait, il s'était révélé sur cette histoire-là, parce que c'était quand même une grosse affaire. Les journalistes de Paris étaient descendus en masse le lendemain. À cette époque-là, c'était le crime qu'on avait qualifié tout de suite de social, des bonnes qui assassinent leur patronne. Et il y avait beaucoup des côtiers parisiens qui étaient très friands de ce type d'affaires. Donc Fernand, lui, c'est devenu le témoin numéro un pour toute la presse. Donc il en a parlé, reparlé, écrit. Et... Tout passait par lui, parce qu'il avait été dans les premiers, avec les gendarmes, avec l'inspecteur. Il était là au moment où la porte s'est ouverte, la fameuse porte de la chambre de l'étage. On a retrouvé Christine et Léa dans le lit. Dans le lit. Ah, là. Elles étaient à poil, mon petit gars. C'était vraiment quelque chose de... Ça aussi, ça l'avait marqué. Ça, c'est du... Je suis sûr que c'est du Bocage. Ouais. Sûr. Et il a un bénéfice d'entrée, c'est que je pense que ça doit être le seul à avoir un appareil photo à ce moment-là. Et dès le lendemain matin, dans l'article du 3, oui. Il y a des photos des deux sœurs Papin, leurs photos où elles sont avec leur col blanc. Là aussi, ça c'est encore un réflexe de journaliste spécialisé. Tout de suite, on va chez le photographe, le portraitiste de la République, et puis on prend les photos. Ça c'est vraiment un réflexe de journaliste spécialisé. Elle est signée cette photo. Hein. Vaillant. L'unique photo d'avant. Habillée en dimanche, de jeune fille au visage encore rond, pose sagement devant l'objectif. Elle travaillait déjà chez les Lancelin. Que s'est-il passé entre cette photo qui allait faire la une de détective et l'horreur de la rue Bruyère? Les brebis égarées du bon pasteur, titraient les journalistes. L'orphelinat du bon pasteur, c'est là, de l'autre côté de la passerelle d'enfer. Derrière ces murs, Christine, l'aînée des deux sœurs, a passé 7 ans de sa vie. L'enquête, quelqu'un l'avait déjà faite au début des années 60. Dans toutes les maisons de la presse du Mans, l'affaire Papin, un livre signé Paul Étoudier, la romancière locale. C'est à elle que Bocage avait confié ses archives. La piste devait être moins froide alors, et Léa était encore en vie. C'est une chose étonnante, mais imaginez-vous que 30 ans après, j'ai retrouvé presque, enfin, une bonne partie des témoins. Notamment cet agent Vérité qui les avait trouvés. Quand je suis allée le voir, il m'allait penser, madame, je ne risquais pas d'oublier. Quand j'ai monté l'escalier, cet œil sur une marche, cet œil noir. Mais justement, on pourrait se voir, Paulette? Paul Étoudier vit seul rue Gallieni, une maison tranquille dans un quartier tranquille. Elle a rencontré Léa. C'est écrit au dos de son livre. Mon livre est sorti en 66. Léa, je l'ai vue tout à fait à la fin. Ça vaut peut-être fin 65. Elle était sous son identité, sous son nom de papa? Le nom de sa mère. Le nom de jeune fille de sa mère. De Rive. Oui. Elle vivait à ce moment-là avec sa mère, que je n'ai pas vue. Et sa mère est morte avec elle. Et donc ça, c'était où? Ben ça, c'était à Rennes, d'abord. Madame Lancelin, pour moi, j'en suis sûre, Madame Lancelin sait déjà qu'elle va surprendre ses bonnes. À quoi faire? Elle ne sait pas, mais... Bon. Et elle monte l'escalier avec sa fille derrière elle, avec précaution. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que les filles ont entendu les clés. Leur chambre, leur lit, contre le mur de la façade. Elles ont entendu les clés.
et la porte cochère qui s'ouvre. Alors c'est l'affolement. Elles ont fait l'amour, elles sont nues. Léa, qui a l'habitude de recourir tout de suite à sa sœur, fait quelque chose. Fait quelque chose. Alors elle se met comme elle peut. Et elle va au-devant, elle essaie de minimiser les dégâts. Elle reste dans l'obscurité quand les deux femmes, les deux patronnes arrivent sur le palier. Mais descendez un peu. Dans quelle tenue êtes-vous? Alors, Paulette mimait la scène comme si elle avait été là sur le palier de la rue Bruyère, ce soir de février 33. Elle allait jusqu'à mettre dans la bouche des deux sœurs et de leurs victimes les mots qu'elles auraient prononcés. Elle sort du lit. Et tout de suite, Madame Lancelin abat ses cartes. Elle dit, mais je vous donne vos 8 jours. Les filles sont piégées. Elles n'arriveront plus à se replacer ensemble. Même les religieuses vont être mises au courant. C'est la honte, c'est la catastrophe, c'est l'arrachement à nouveau. Alors, Christine, avec une force absolument décuplée par la fureur, arrive à tuer toute seule ces deux femmes. C'est fou. Alors, vous savez, il y a un des journaux, vous l'avez vu, où on montre le pot d'étain qui était tout cabossé. Parce qu'elle commence d'abord par frapper, avant d'arracher les yeux. Elle les, selon son expression, elle les alourdit, dit-elle. Et aussitôt après, elle les achève. Alors Léa, qui a suivi tout le bruit de la chambre, descend et voit le carnage. Et c'est à ce moment-là qu'elle va chercher un couteau dans la cuisine, et qu'elle remonte, et qu'elle fait ce qu'elle a appelé des enciselures sur les jambes de Mademoiselle Lancelin. Elle lui coupe les jambes absolument comme des pains. Blessures qui ont été faites post-mortem, elles n'ont pas saigné. Brouillard sur la ville, comme au lendemain du drame, avait dit Paulette, quand les rumeurs les plus insolites se sont mises à circuler dans les rues du Mont. Crime sexuel, crime social, crime de folle. Ce qui est sûr, c'est que la presse parisienne allait donner de la ville une image tellement négative que le maire avait fait interdire à l'affichage le numéro de détective avec la photo des deux sœurs en couverture. La photo d'avant, la photo signée Vaillant. C'est un beau portrait, et puis ça correspond bien à ce que faisait mon grand-père. Alors bon, ben, il y a une chose qui m'étonne, elles sont pas très souriantes, hein, finalement. Hein. Mais je pense que là, c'est elles veulent se faire photographier ensemble. Alors elles ont été chez le coiffeur. Vous voyez, ça c'est manifeste. On allait chez le coiffeur. Moi, je me rappelle de mon grand-père qui était furieux. Que toutes les femmes arrivaient avec des coiffures extrêmement serrées, très artificielles. Mais je trouve que c'est quand même un beau portrait. Hein. Donc on peut imaginer que un journaliste, je ne sais pas... Je pense à ce moment-là que le journal de la liste de la Sarthe, si les filles se sont fait faire ça dans les mois précédents, bien, elles devaient avoir une photo encadrée dans leur chambre. Alors moi, je pense que le journaliste, hop, il prend ça, il met ça dans son manteau et il repart au journal. Le petit-fils de Vaillant, le photographe de la rue de la République, avait gardé une lettre de sa tante qui m'en disait plus long sur la photo. C'était ma mère. Pour le montage et mettre sous presse les photos. Je me souviens bien avoir en main celle des filles Papin, avoir admiré les deux sœurs tête contre tête, l'air angélique, tenue très classique avec leur petit col de piquet blanc. Mon père avait vendu le cliché à détective. C'est mon fiancé et moi qui l'avons porté au train de Paris en toute urgence. Ma mère, qui recevait les clients au bureau, venait d'apprendre le drame de la rue Bruyère. Une vraie boucherie, une photo de l'époque prise par un photographe de la rue de l'Étoile, Chauvelier Pommeau. Ça, c'est le nom que je vais rechercher. Donc c'est la photo des cadavres. Donc, je pense que Chauvelier Pommeau a fait les photos pour les services de police. Ce chevalier aurait été un ancien apprenti de mon grand-père. Bon, enfin, ça, c'est une supposition.
J'avais au moins appris une chose. Ce n'était pas Bocage qui avait pris les photos. Quant à Paulette, elle est sans doute un peu trop romancière. Et la presse, c'est la presse. La vérité, je vais peut-être la trouver ici, aux archives départementales, dans le dossier d'instruction que j'ai demandé à consulter depuis plusieurs semaines. Dans les combles de l'ancienne prison militaire, 117 pièces calligraphiées et un registre d'écrou vieux de 67 ans. Ces choses-là arrivent, je suppose. Mais pourquoi ici ? Dans cet endroit lugubre où elles n'ont jamais mis les pieds, j'ai tout à coup l'impression de les rencontrer pour la première fois. Est-ce l'empreinte de leurs doigts, leur signature hésitante, ces traces d'ailes presque charnelles au milieu de ce morne inventaire administratif ? Elles sont là, debout devant moi, une main crispée sur le col de leur peignoir. Elles répondent aux questions d'une voix tremblante de peur, de froid, peut-être d'un reste de colère. Chemise blanche, manteau de couleur, savate. Qu'est-ce que c'est ce manteau de couleur ? C'est le peignoir ? Et puis enregistré rue Bruyère, une heure après le crime, le récit détaillé d'un instant qui a fait basculer quatre vies dans l'horreur. Dans la chambre, nous avons trouvé couchés dans le même lit les deux domestiques, Christine et Léa Papin. Elles étaient encore vêtues d'un peignoir. Nous les avons interpellées comme suit. Qu'avez-vous fait à vos maîtresses ? Christine a répondu. Elles ont voulu me frapper. Je me suis vengée. Vous avez vu, je vous attendais. Quand madame est rentrée, je lui ai rendu compte que le fer était de nouveau démoli, que je n'avais pas pu repasser. Quand je lui ai dit cela, elle a voulu se jeter sur moi. Nous étions à ce moment-là, ma sœur et moi, et nos deux maîtresses sur le palier du premier étage. Voyant que madame Lancelin allait se jeter sur moi, je lui ai sauté à la figure et je lui ai arraché les yeux avec mes doigts. Quand je dis que j'ai sauté sur madame Lancelin, je me trompe. C'est sur mademoiselle Lancelin Geneviève que j'ai sauté. Et c'est à cette dernière que j'ai arraché les yeux. Pendant ce temps, ma sœur Léa a sauté sur madame Lancelin et lui a arraché également les yeux. Ensuite, je suis descendue précipitamment à la cuisine et suis allée chercher un marteau et un couteau de cuisine. Avec ces deux instruments, ma sœur et moi, nous nous sommes acharnés sur nos maîtresses. Nous avons changé plusieurs fois les instruments de l'une à l'autre. C'est-à-dire que j'ai passé le marteau à ma sœur pour frapper et qu'elle m'a passé le couteau. Nous avons fait la même chose avec le pot d'étain. Les victimes se sont mises à crier, mais je ne me souviens pas qu'elles aient prononcé quelques paroles. Je n'ai aucun regret. Autrement dit, je ne peux pas vous dire si j'en ai ou si j'en ai pas. J'aime mieux avoir eu la peau de mes patronnes plutôt que ce soit elle qui ait eu la mienne ou celle de ma sœur. Après avoir entendu cette lecture, Léa déclare « Tout ce que vous a dit ma sœur est exact. Les crimes se sont passés exactement comme elle vous les a narrés. Mon rôle dans cette affaire est absolument celui qu'elle vous a indiqué. J'ai frappé autant qu'elle. Comme ma sœur, j'aime mieux avoir eu la peau de mes patronnes plutôt que ce soit elle qui ait eu la mienne. » Le rapport de police était formel. Contrairement à ce que prétendaient Bocage et les autres, elles n'étaient pas nues quand on les a trouvées. Elles portaient les peignoirs jumeaux au ton pastel dans lesquels on les voit sur les photos. Et c'est vêtues de ces peignoirs qu'elles avaient obstinément refusé de quitter qu'on les a emmenées ici, à la maison d'arrêt du Vert-Galant. C'est dans une de ces cellules assises au bord du lit qu'elles ont passé ensemble leur première nuit de prisonnière. On dit qu'elles n'ont pas dormi. J'avais un allié en ville, je ne le savais pas. Gérard Gourmel, l'homme de la lettre, a été pendant quelques années chroniqueur judiciaire à Ouest-France. Lui aussi s'est intéressé un temps à l'affaire Papin et à ses zones d'ombre. Travaillant sur un livre, La Souricière, j'ai quelque temps envisagé moi-même de creuser cette affaire avant d'y renoncer. Il ne s'agissait pas tant pour moi de percer un mystère que de tenter de saisir pourquoi et par quel mécanisme cette histoire sordide au premier chef avait pu générer tant de formes imaginaires.
Dans mon esprit, cela supposait malgré tout serrer au plus près la réalité du dossier. Et à cet endroit, mon évaluation s'est avérée accablante. Contradictions incessantes, erreurs, falsifications, dissimulations et fantasmes. C'est un dossier qui a été construit quand même sur des évidences. Il y avait deux meurtres, les deux auteurs du meurtre, dans une maison théoriquement fermée de l'intérieur, les armes du crime, les preuves, des aveux. Et donc, sur un terrain qui était... On ne peut plus labourer pour des magistrats instructeurs et pour des enquêteurs. C'est vrai qu'il y a eu une espèce de dérive, de facilité à la fois des policiers et rassemblant des magistrats instructeurs. La première grosse erreur qui a pu être commise, c'est tout simplement de laisser les deux filles ensemble le soir même. Théoriquement, quand il y a deux coups accusés de délit en général et de meurtre en particulier, on ne les laisse pas communiquer jusqu'aux interrogatoires suivants. Surtout qu'il faudra ensuite essayer d'analyser leurs responsabilités réciproques. Or là, on sait qu'effectivement, elles n'ont été séparées que le lendemain soir, c'est-à-dire qu'elles sont restées en contact, elles sont passées la nuit ensemble, sans dormir, dit-on. Normalement, selon le dossier, le lendemain matin, personne ne les a inquiétés. Le lendemain après-midi, elles ont été appelées à comparaître devant le juge d'instruction. Ce n'est qu'ensuite qu'elles ont été séparées. Donc elles ont passé 14 heures, 18 heures, seules à seules, ce qui leur permettait effectivement, si elles le souhaitaient, de monter une ligne commune, de responsabilité ou arranger les formes de leur affaire. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est le genre de choses que, a priori, on écarte d'entrée de jeu dans une affaire de cet ordre. Sauf que là, effectivement, tout était réglé dans le ré. Tout le problème était résolu. À cause des aveux ? Parce qu'il y avait les armes du crime, les preuves, les aveux. La seule chose qui manquait, c'était le mobile. Et puis aussi, parce que c'était une sorte de chambre close, il n'y a pas de témoin. Et le fait qu'il s'agisse de la famille de Lancelin ? Ça a dû peser ensuite, ça. Qu'on n'ait pas interrogé ce soir-là René Lancelin, qu'on n'ait pas interrogé au-delà le beau-frère Ringard, le gendre Renard. Effectivement, il s'agissait d'officiers ministériels, d'anciens officiers ministériels, d'un avocat futur bâtonnier. On a pris des gants. La détonation du magnésium semble sortir Christine de sa torpeur. Sa sœur, qu'un premier éclair a peut-être surprise, attend crispée le second. On est loin de la petite furie déchaînée qui la nuit dernière se débattait, maintenue par la poigne des policiers. Vendredi toute la journée, un grand nombre de monceaux très émus ont défilé devant la paisible maison de la rue Bruyère. Nous avons vu beaucoup d'amis de cette vieille famille sartoise venir déposer dans la boîte aux lettres, avec une émotion bien compréhensible, une carte de visite, discret témoignage de sympathie à l'égard de ses membres éplorés. À travers les volets clos, la fine lumière qui filtrait décelait la présence des enquêteurs, continuant leur constatation. Lancelin dit qu'il est à 19h. Lancelin dit qu'il est à 19h, rue Bruyère. Enfin, non seulement Lancelin, mais Lancelin, Renard et sa femme sont à 19h, rue Bruyère. Ils vont au commissariat, rue de la Comédie. Ils expliquent leur cas, ils reviennent avec des agents. Voilà. Du coup, leur décor 19h30. On a prévenu les supérieurs hiérarchiques, on a prévenu le juge d'instruction, enfin le procureur d'abord, le juge d'instruction ensuite. Le juge d'instruction prévenu 19h40. Bon. Là, il y a à peu près un créneau horaire qui tient. C'est le seul. Avant, il y a autant de versions qu'il y a de dépositions, de déclarations, d'interviews ou de déductions qu'on veut faire. Rien ne correspond jamais. La bonne des voisins a déposé en disant que à partir de 18h35, elle a entendu pendant une dizaine de minutes
des plaintes et des gémissements. Donc mettons 18h35, 18h45. Très fort le gémissement, puisqu'en fait elle les a entendus à travers une cour quand même, de deux maisons fermées puisque c'est l'hiver. Et donc Lancelin au plus tard doit être devant chez lui, mais vraiment au plus tard, il doit être chez lui à 18h45. Au mieux, les gémissements viennent de se terminer, c'est-à-dire que, autant qu'on puisse savoir, les femmes viennent de mourir et les filles descendent pour fermer la porte. C'est vraiment le mieux qu'on puisse trouver pour Lancelin, qu'il est arrivé juste après et qu'on lui a fermé la porte au nez. Mais ça sous-entend quoi ? Bah, c'est la porte ouverte à toutes les versions, plus ou moins... plus ou moins fumeuses qui ont couru dans la ville à ce moment-là, c'est-à-dire que il y avait un homme dans la maison au moment de la commission des meurtres, les filles avaient une relation, au moins l'une des filles avait une relation avec l'un des membres de la famille, que les filles entretenaient des relations avec des personnalités éminentes de la ville. C'est la porte ouverte effectivement à tous les bruits qui ont couru. Nous ne saurons rien ou peu de choses de la vie qu'on menait dans cette maison austère et fermée de la rue Bruyère. Nous ne saurons rien ou peu de choses des tables qu'on y faisait tourner, paraît-il, ni de l'hypnotiseur tout voisin. Pas davantage, nous ne connaîtrons complètement la manière de vivre et les relations du maître et des deux maîtresses de maison avec les domestiques et le caractère de l'amitié peut-être excessive qu'il y ait Christine et Léa. Monsieur Lancelin aurait pu nous éclairer peut-être. On dit ici qu'il n'a pas cessé de s'intéresser aux sœurs Papin et qu'il serait allé les voir dans leur prison. Déposition du témoin de l'Alain Léonce. Si on me qualifie de spirite, ce n'est pas là une profession, mais une doctrine philosophique. Je représente ici l'Union Spirite Française qui a son siège à Paris, rue Copernic, numéro 8. Connaissiez-vous les deux sœurs Christine et Léa Papin qui étaient domestiques chez les époux Lancelin, 6 rue Bruyère? Les deux sœurs Papin me sont totalement inconnues. Je ne connais leurs traits que depuis le crime. La piste spirite a vite été abandonnée. N'empêche, quelques mois après le drame, un curieux petit livre circulait sur les marchés du Mans. Le libraire chez qui je l'ai retrouvé se souvenait encore d'une ancienne cliente. Parlez des sœurs Papin, je ne sais pas quel propos elle me dit, mais je suis la filleule de Monsieur Lancelin. Il me faisait peur parce qu'il était complètement passionné d'ésotérisme, d'occultisme, de choses comme ça. Il faisait des espèces d'expériences de télépathie et il servait des sœurs Papin comme cobayes. La vieille dame me dit, moi je suis sûr que ça leur a tapé sur ses boulots et qu'un jour elles ont pété les plombs. Ça ressemble à quoi une petite ville de province au lendemain d'un crime comme celui-là? Bruissante de rumeurs, j'imagine. Oh là là, les rumeurs. Les rumeurs, notamment que monsieur Lancelin était l'amant des deux bonnes. Et c'est faux, j'ai eu. Et justement, ça n'existe plus, paraît-il, aux archives. Mais je l'ai eu dans les mains, ce certificat de leur virginité. Elles étaient vierges toutes les deux. On ne peut absolument pas accuser monsieur Lancelin de quoi que ce soit vis-à-vis des bonnes. Je crois au contraire qu'il gardait ses distances. Mais il était très bon. Elles aimaient beaucoup monsieur Lancelin. Je suis sûr que les Lancelin étaient inattaquables. Sévères, naturellement. Madame Lancelin était sévère. C'était l'époque, je vous ai dit, je l'ai observé dans ma propre famille. Belle famille, pardon. C'était l'époque où les bourgeoises mettaient des gants blancs pour vérifier les plaintes le samedi. Mais c'était des perles. Christine et Léa étaient des perles. Dans le dossier daté du lendemain du crime, le procès-verbal de l'enquête de moralité ordonnée par le juge d'instruction. Dans la rue Bruyère et les environs, les deux sœurs Papin sont peu connues, n'adressant jamais la parole à aucun voisin, pas même aux domestiques des maisons voisines. Elles étaient cependant considérées comme travailleuses, propres et sérieuses, mais d'un caractère taciturne et sombre. Leur conduite n'avait jamais donné lieu à une critique. Chaque dimanche, elles se rendaient ensemble à la messe de 8 heures à la cathédrale. Elles ne fréquentaient ni les bals, ni le cinéma. On ne leur connaît aucune liaison.
Certains prétendent qu'elles avaient horreur des hommes, qu'elles sont hystériques, sont inséparables. Personnellement, j'ai constaté il y a plusieurs mois que cette jeune fille est plus particulière. Le commissaire Dupuis parle de l'été 31. Christine et Léa sont venues se plaindre au maire. Très agitées, elles ont parlé de persécution. Si j'avais des domestiques de ce genre, avait dit Dupuis à René Lancelin, je ne les garderais pas longtemps. Déposition de Madame de Rayac de Château-Rocher, épouse de Dieu le veut. De Dieu le veut, leur dernière place avant d'entrer au service des Lancelin. De sœur Papin, Christine comme cuisinière, Léa comme femme de chambre. Dès leur arrivée, j'ai remarqué que ces deux jeunes filles paraissaient se porter une grande affection. Au moment de leur départ, la mère s'était présentée chez moi. Je lui avais conseillé de les placer séparément. En tout cas, une chose dont je suis certain, c'est que leur attitude l'inquiétait, quoi. Elle la mettait dans un état de malaise, mais en personne ayant reçu un certain type d'éducation, elle n'a jamais supposé un seul instant que ça pouvait être une relation équivoque, si vous voulez, qui existait entre les deux filles. Jamais. Mais en tous les cas, dans ce qu'elle vous racontait, c'était que Christine avait imposé sa Ah oui, absolument. Oui. C'est pas votre mère qui avait décidé d'employer deux domestiques. Ah non, du tout. Elle a dit que ça sera à prendre à la cesse, c'est nous deux ou personne. Elle a dit, bon, bah, je prends les deux. Oui. Bon, dès qu'il y a eu le drame, ma mère a dit, mais elles ont travaillé chez moi. Alors évidemment, rétrospectivement, elle a été prise de peur. Mais pour ma part, je pense que le drame ne se serait pas produit chez moi. Et là, je veux dire quelque chose qui est un peu délicat, si vous voulez. Tout ça, ça s'est produit il y a deux tiers de siècle. Hein. On a toujours dit que les dames Lancelin, ce qu'on appelle les dames Lancelin, c'est la mère et la fille, les deux qui ont été assassinées. Lui était, paraît-il, un monsieur très gentil, etc., mais complètement dépassé par les bonnes femmes. Et alors, Madame Lancelin et Mademoiselle Lancelin étaient des personnes très exigeantes, etc. Je crois que l'hostilité entre elles deux et les sœurs Papin ont couvé quelque temps, et puis que c'est là que ça a éclaté, et ça n'aurait peut-être pas éclaté ailleurs, si vous voulez. Christine, c'est l'élément dominant. Le dominant, c'était Christine, et la dominée, c'était Léa. Bon. Est-ce que ma mère aurait gardé Léa seule, le cas échéant, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle était indisposée, effectivement, par le ton autoritaire, insolent, comme on disait à l'époque. Parce que, vous savez, les domestiques, il fallait voir comment ils étaient traités dans les familles bourgeoises, en général. Il y avait les bonnes coucheuses, les bonnes voleuses, les bonnes buveuses. Elles appartenaient presque automatiquement à l'une des trois catégories. Bon, alors elle, c'était la bonne insolente. Elle appartenait à la catégorie des bonnes insolentes. Elle l'était peut-être réellement, si vous voulez. En même temps, je pense que, de sa part à elle, il fallait qu'elle assure son autorité vis-à-vis de sa sœur. Elle avait certainement une forte personnalité, mais une personnalité schizophrénique. Mais elle est morte au bout de pas tellement longtemps, je crois, alors que Léa a fini sa vie paisiblement et anonymement, je crois savoir, à Marigné. Et pourtant, dans le petit cimetière de Marigné, aucune trace de la tombe de Léa. Marigné, à peine 15 km du Mans. C'est là qu'est née Christine. Là qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 7 ans, jusqu'à ce que sa mère la mette au bon pasteur. Elle est peut-être là, Christine, parmi ces gamins en tablier et galoche qui posent dans la grande rue. L'an 1905, le 8 mars. Naissance de Papa Christine Germaine Clémence. Décédée le 18 mai 1937 à Rennes. L'an 1902, à 4h du soir, le 12 février. Naissance de Papin Emilia Clémence, fille légitime, décédée à Pontivy, Morbihan, le 27 décembre 1986.
Clémence Mélanie de Ré, inscrite à la mairie de Saint-Mard-d'Outillet. De Ré, Clémence Mélanie, dont la naissance est constatée, si contrat contracté mariage avec Papin Gustave Prosper, 3 octobre 1901. Décédée le 10 janvier 1957 à Nantes. Nantes, pourquoi Nantes? Oh ben, à l'époque, ça faisait du bruit. Hein. Ça faisait du bruit. Oui, non, parce que les gens, ils ne connaissaient pas le... Ah, comment ça s'appelle? L'inceste, je ne sais pas. Parce que les deux filles, la rue principale, là où jouaient les gamins de la photo. C'était il y a près d'un siècle, mais à Marigny, on n'a pas oublié le nom des sœurs Papin. En fait, les sœurs Papin étaient trois, Emilia l'aînée, Christine et puis Léa, qui elle naîtra au Mans et n'a jamais vécu ici. Père alcoolique, mère volage, le divorce, les enfants qu'on expédie à l'orphelinat, rien que du malheur ordinaire. Au moment du crime, si je compte bien, les Papin avaient quitté Marigny depuis plus de 20 ans. Alors pour les gens du pays. Alors les gens ici, bon, c'est un crime quoi, ils n'allaient pas plus loin. Nous avons pu nous entretenir dans la matinée avec la mère des deux jeunes filles criminelles dans la maison où elle est actuellement employée. La mère, qui ne connaissait pas encore l'épouvantable tragédie de la veille, nous a accueillis avec un étonnement mêlé d'indignation. « Que voulez-vous ? » nous dit-elle en substance. « Je ne voyais plus mes filles depuis 3 ans. » Signé Bocage, encore lui. Lui qui, au petit matin, est allé frapper à la porte de Clémence pour lui annoncer la nouvelle. Elle a affirmé avoir fait remettre à ses deux filles, en février et en mars 31, par l'intermédiaire d'une blanchisseuse, deux lettres qui étaient restées sans réponse. Ces lettres qui ont été retrouvées dans la chambre des jeunes filles donneront peut-être une indication utile sur la mentalité bizarre de Christine et Léa Papin. Procès verbal de perquisition du 3 février. Nous avons procédé à une perquisition minutieuse dans la chambre qu'occupaient les filles Papin au second étage. Nous avons découvert contre le radiateur 2 blouses tabliées coton mauve, 2 paires de bas coton beige, 2 combinaisons qui sont tachées de sang et que portaient les filles Papin, Christine et Léa au moment du crime. Des blouses tachées de sang, leur tenue de travail, elles n'étaient pas nues quand les patronnes sont rentrées, ni en train de faire l'amour comme on le disait. Mes chères petites filles, ne vous inquiétez pas. Et puis, les lettres de Clémence. Et je pense toujours que vous allez me revenir sur mon cœur. Je compte toujours sur vous deux, malgré une douloureuse peine. On m'a appris qu'on fait tout pour vous faire entrer dans un couvent pour être religieuse. Vous m'aviez toujours dit que jamais vous ne rentriez dans un couvent, que ce ne sont pas vos idées. Je les connais, vos idées, qui sont bien honnêtes. De rester toutes deux, bien vous marier et élever une belle famille. Je sais que toutes deux vous aimez bien les enfants. Jamais je n'accepterai une chose pareille. Ce n'est pas Dieu. C'est forcer la loi de Dieu. Ça ne leur portera pas chance. C'est violer la loi de Dieu de forcer 2 jeunes filles à rentrer au couvent. Nous ne demandons rien à personne. C'est la jalousie de vous. Il y a une jalousie sur vous et sur moi. Ne vous laissez pas faire. Jusqu'au dernier moment. Votre maîtresse est bien au courant. Ce sont des catholiques qui vous font faire cette chose-là, on vient de me le dire. On vous a détourné de votre mère, c'est pour que vous ne voyez rien de ce qu'on vous a fait. Les misères qu'on vous fait depuis 6 mois. Revenez si vous le pouvez et ne tenez pas à vous mettre. Dieu n'admettra jamais d'enfermer 2 jeunes filles malgré leurs idées. Partez. Vous ne serez plus vos maîtresses. On vous fera entrer dans n'importe quel couvent. Ne donnez pas vos lits. Elles n'avaient jamais répondu, mais elles avaient gardé les lettres. Pourquoi ? Pourquoi étaient-elles fâchées avec leur mère depuis 3 ans ? Quitter le service des Lancelins, fuyez, n'entrez pas au couvent, elles voulaient dire quoi ? Pourquoi cette haine subite des catholiques ? C'est pourtant bien elle, Clémence, qui en 1913 avait confié Emilia et Christine au bon pasteur. Le bon pasteur. Prières, punitions corporelles et travaux obligatoires. Au bon pasteur, les religieuses se chargeaient de recycler la mauvaise graine pour fournir à la bourgeoisie mancelle ces perles dont parlait Paulette.
Elles sont là, page 21. Emilia, Christine, dans le livre des pénitentes et des orphelines. Mon papa, âgé de 11 ans, natif de Saint-Mars-d'Outillet, Sarthe, nous a été présenté par sa mère. Christine Germaine Clémence Papin, sa sœur âgée de 8 ans, native de Marigné, Sarthe, nous a été présentée par sa mère, qui s'est engagée à les laisser jusqu'à leur majorité et à verser une somme de 100 francs pour chacune d'elles si elle les retirait avant cette époque. Elles sont entrées le 18 avril 1913. Je suppose qu'on avait commencé à leur donner une formation. C'est avant la majorité, comme l'une avait 11 ans et l'autre... Elles n'ont pas rendu du tout. Christine a porté cet uniforme-là pendant 7 ans. Je pense que Emilia, elle, est restée au bon pasteur où elle a pris le voile. Je, sœur Marie de Sainte-Mechtilde Papin, par la grâce de Dieu, aujourd'hui 19e jour de décembre de l'année 1922, j'ai célébré mes vœux entre les mains de Monseigneur Grant. Alors ça, c'est le jour de la profession, elle a signé là. Ça, c'est un autre livre. Hein. Et après, on voit... La phrase suivante, qui se répète chaque année le 21 novembre, « J'ai confirmé mes voeux ce jour de la présentation de Notre-Dame, 21 novembre 1923, donc juste un an après, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et en l'honneur de la Très Sainte Vierge, Mère de cette congrégation, Amen. » Et c'est signé. Et ça, vous le trouvez jusqu'au 21 novembre 1932. Ça veut dire que... Elle a renouvelé ses vœux pendant... Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Pendant 10 années. Elle a renouvelé ses vœux. Oui. Alors, ce qui prouve qu'elle est sortie entre ce 21 novembre... 1932. Et puis on ne sait pas quand. Et novembre 33, voilà. Puisqu'en 33, la 11e année, non, elle ne renouvelle pas. Non. Et là, vous voyez, on retrouve. Oui. Sortie n'étant pas appelée à notre genre de vie, ce qui est... Quand on voit qu'elle a renouvelé 10 ans, c'était pas ça. Il y a une autre raison. Emilia avait disparu du bon pasteur immédiatement après le crime de ses sœurs. Pour aller où? Est-ce qu'on l'a cachée, protégée, envoyée ailleurs à cause du scandale? Des journalistes qui venaient sonner à la porte de l'orphelinat? On n'a plus rien. Elle n'est pas là, dans le petit cimetière des religieuses. Léa non plus. Pourtant, en 66, une journaliste de François lui faisait dire qu'elle voulait terminer sa vie ici, au Bon Pasteur, pour y retrouver Emilia. Léa Papin avait mutilé les corps de ses deux patronnes tuées par sa sœur. Elle veut aujourd'hui devenir religieuse. La journaliste de François disait avoir retrouvé Léa cachée sous un faux nom quelque part dans l'ouest de la France. Une Léa grise et usée qui travaillait comme bonne dans un hôtel. Quand je ne pourrai plus travailler, je demande à devenir sœur Marie au Bon Pasteur, au Mans. J'ai fait des économies pour être admise. Au Bon Pasteur, une de mes sœurs aînées a été religieuse. Je la retrouverai. Papin, Léa, Isabelle. Il n'y a pas de date de décès. Mais là, on dirait qu'il y a quelque chose de gratté. C'est bizarre. À l'état civil du Mans, aucune mention officielle attestant de la mort de Léa. Mais qu'avait-on bien pu inscrire sur cette page avant de l'effacer? Il y a toute une zone sur 4 ou 5 lignes qui semble avoir été effacée, gommée. C'est drôle quand même ça. Le manque, on m'a annoncé qu'elle était morte. J'ai eu ça au téléphone. La personne qui me l'a dit m'a donné ça comme une chose officielle. Qui vous l'a annoncé? Madame Moudier, c'est vous qui avez écrit le livre? Oui, oui. Vous savez que Léa est décédée? Ah bon? Oui. Vous avez des détails sur sa mort? Non. Aucun détail, mais enfin elle est décédée. Aucun détail sur la mort de Léa, disait Paulette. La piste devient de plus en plus floue. Quand est-elle morte? Où est-elle enterrée? Je commence à me demander si quelqu'un l'a vraiment rencontrée. J'ai tenu ma parole jusqu'au bout. Je n'ai jamais donné aucun renseignement pour qu'on la retrouve, Léa. Et qu'en plus, tout est faux. Léa, c'était quelqu'un qui se taisait, qui était écrabouillé par le chagrin, qui pouvait pleurer, vous regarder avec des yeux de noyé, mais elle était incapable de dire tout ça. Elle se taisait. Elle était effondrée. C'était un être mort.
Et vous imaginez qu'elle aurait tenu tout ce discours-là? Mais c'est faux, tout est faux. Parce que vous, quand vous avez rencontré Léa, c'était chez elle aussi? Oui, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec la véritable personnalité de Léa. Léa était un être douloureux, accablé. Elle ne m'a pas parlé beaucoup. Elle a seulement accepté que je la suive parce que je lui disais, je crois que ça n'est pas un crime monstrueux. Enfin, c'est un crime monstrueux. Je ne sais pas comment j'ai tourné ma phrase, mais il est certain qu'elle devait comprendre combien j'étais sincère et apitoyée par sa souffrance. Je lui dis, je crois que c'est l'histoire d'un amour malheureux, tout ce qu'on a pu raconter. Elle veut devenir religieuse, c'est pas vrai. Elle en voulait même à Emilia. Ils en voulaient tous à Emilia parce que Emilia s'était complètement détachée de... Elle voulait plus rien savoir de Christine et de Léa quand c'est arrivé. Vous savez qu'Emilia a quitté le Bon Pasteur en 1933? Elle aurait quitté le Bon Pasteur? Je suis ahuri de savoir ça. Pas en 33 en tout cas. Si. Ah non, c'est pas possible. Elle y était encore en 63, voyons. Quand j'ai fait mon bouquin, elle était encore là, Emilia. Où avez-vous trouvé ça? L'archiviste du Bon Pasteur, une sœur qui s'occupe des archives, qui a un registre où apparaissent les entrées, les sorties. Et Emilia n'a pas renouvelé ses vœux, comme les sœurs le font tous les ans, en novembre 1933. Je suis allée pour la voir, j'ai failli la voir. Et au dernier moment, il y a eu un veto dont je ne sais pas, dont je ne connais pas l'origine. Mais si elle avait pas été là, on m'aurait dit, c'est pas possible parce qu'elle est partie. Et elle est morte maintenant, Emilia? Alors elle est décédée, oui, à Pontivy, en 86. À Pontivy? Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait là, à Pontivy? De toute façon, elles ont quitté la Sarthe. Oui, et pour cause, elle était interdite de séjour. Oui. Je ne sais pas, mais ça, je peux vous dire que c'est du bidon. Tout est bidon. Tout. C'est faux. Tout est bidon, tout est faux, m'avait-elle dit. Qu'est-ce qui est vrai, alors? Quelque part dans cette ville, il y a forcément des gens qui savent. Pas de nécro de Léa dans les archives de la Sarthe, mais mon contact au journal m'avait suggéré de passer une annonce. Un autre soir au Mans, la promenade des Jacobins est déserte. Rue Bruyère, les lumières vont s'éteindre. Et moi, qu'est-ce que je suis venue chercher ici? C'était il y a si longtemps tout ça. Je me demande s'il reste encore quelque chose à découvrir. Si j'étais romancière comme Paulette, je parlerais de nuit tombant sur les beaux quartiers d'une ville de province, de volets clos protégeant ses petits et ses grands secrets. Une nuit comme celle-là, deux petites bonnes ont assassiné la femme et la fille d'un notable après leur avoir arraché les yeux. Le facteur sonne toujours deux fois. Une nouvelle lettre de mon allié providentiel vient à mon secours. Quelque chose de fait me semblait étrange. Pourquoi une telle émotion pour la famille d'un avoué honoraire? La famille judiciaire, certes, la fascination pour un fait divers à sensation, la loupe de la presse nationale. Mais cela ne suffisait pas pour expliquer le tumulte et l'ampleur du non-dit, 60 ans plus tard. La réponse est pour moi étonnante, quoique caractéristique du lieu. C'est la tombe Lancelin qui a parlé. Une tombe semblable à leur maison, un beau quartier du cimetière, une plaque à peine plus large que les plus médiocres, pas de chapelle. Peut-être l'avez-vous vu, je ne sais.
ce que nul pendant le procès n'a seulement sous-entendu, ce que les journaux du temps n'ont pas dit, ce que je n'ai jamais entendu dans cette ville, c'est que le 2 février 1933, la foudre a frappé le clan très fermé des grands conseils d'administration Monceau, la fine fleur, l'aristocratie de la finance, l'orgueil du pays. Alors simple avoué, le trop discret René Lancelin, l'homme à la tombe tellement modeste, la seule photo de lui, je la trouve dans l'annuaire de l'Automobile Club de l'Ouest de 1933. La piste indiquée par l'ancien chroniqueur judiciaire mène aux archives de la République sociale de l'Ouest et à un énorme scandale financier qui secouait la ville à la même époque, l'affaire du comptoir d'escompte de la Sarthe. Sur ces images tournées l'année du crime, le comptoir d'escompte a disparu. Il était là, place de la République, tout près du siège de l'omniprésent ACO, tout près de la brasserie Gruber où René Lancelin avait son cercle. On l'a vite escamoté et remplacé par la Banque régionale de l'Ouest. On, c'est eux, m'avait expliqué Gérard. Cette poignée de notables qui se croisent et se recroisent à longueur d'année dans les mêmes banquets et les mêmes conseils d'administration. Mutuelle du Mans, MGF, Défense automobile et sportive. Et bien entendu, l'inévitable Automobile Club de l'Ouest. Ils sont les maîtres des assurances, les maîtres de la ville, et René Ovid Lancelin est un des leurs. Il est peut-être là sur ces images des 24 heures du Mans, filmées 4 mois après le crime. Doublement malvenu le double crime des sœurs Papin, pour cette bourgeoisie affairiste qui essaie de faire bonne figure en attendant que soit jugée l'affaire du comptoir d'escompte. Scandale financier, meurtre de domestique, une vitrine moins reluisante pour la ville et ses maîtres que celle des sacro-saintes 24 heures. Je comprends mieux pourquoi ils sont tous là le dimanche 7 février, derrière les cercueils de celles que l'opinion publique appelle les dames Lancelin. En tête du cortège, celui qui jusqu'à sa mort se présentera comme un simple avoué honoraire. Il y a une évidence, c'est qu'on a toujours dit que Lancelin, c'était un avoué tranquille qui jouait au bridge l'après-midi. L'avoué tranquille qui jouait au bridge l'après-midi, en fait, c'était un administrateur de grande société qui était impliqué dans deux énormes scandales économiques et qui était poursuivi dans l'un des cas par une action en justice et accessoirement par au moins un organe de presse local. Si depuis 2 ans les Lancelin étaient pilonnés par des articles ou en deux termes à peine dissimulés, on les traite d'escrocs, enfin on traite René Lancelin d'escrocs. Qu'à ce moment où le renvoi en correctionnel se décidait, c'est-à-dire qu'il se jouait à la fois l'honorabilité de la famille et le destin de Lancelin, on peut penser que Madame Lancelin n'était pas totalement, totalement zen. Et si il y a eu un incident comme il a été évoqué, c'est-à-dire une histoire de fer à repasser, de plomb fondu, ou Dieu sait quoi,
Il y a très bien pu avoir une discussion qui a assez mal tourné, par exemple, qui a tourné chez Christine, a prononcé un mot comme escroc. Et une Madame Lancelin à Boudner, entendant sa propre domestique prononcer ce mot qui effectivement court la ville depuis 2 ans, comment aurait-elle réagi? Une réaction physique n'est pas absolument exclue. Un geste tel que Christine et Léa l'ont évoqué lors des interrogatoires, qui était en fait une agression physique modérée, une agression physique de Madame Lancelin, ça ne vient pas absolument absurde. Je vous assure que nous n'avons pas prémédité ce coup-là. S'il avait été prémédité, il n'aurait certainement pas été si bien fait. C'est-à-dire que si j'avais réfléchi, je ne l'aurais certainement pas exécuté. Si j'avais su que cela devait tourner ainsi, je n'aurais pas fait l'observation que j'ai faite à Madame Lancelin, qui a tout déclenché. Quelle observation? De quoi parle Christine? Les pièces du dossier, encore une fois. Incohérence, enquête bâclée, des scellés qui n'ont pas été apposés sur la maison, la perquisition dans la chambre des filles qui n'a eu lieu que le lendemain, Lancelin dont on ne vérifie pas l'emploi du temps l'après-midi du crime, l'une des armes du crime retrouvée 9 jours après sous une pile de journaux par le gendre de Lancelin, pas de certificat de virginité des filles, et ce mystère du fer à repasser, le fer à repasser qui avait tout déclenché, le fer à repasser qui, selon le témoignage de Christine, ne fonctionnait pas et avait fait sauter les plombs, mais qui 2 jours plus tard se révélera fonctionner parfaitement. Les plombs n'avaient même pas fondu. Personne n'a cherché plus loin. Au moins 12 de dates grattées, modifiées, des témoignages contradictoires, des questions non posées, négligence ou volonté de dissimulation. Par ordonnance en date du 3 1933. Et puis daté du 1er juin, le rapport des 3 experts psychiatriques remis par le docteur Schutzenberger, médecin en chef de l'asile des aliénés de la Sarthe et lui aussi administrateur de la CO. 22 pages qui se contentent de résumer les différents procès-verbaux, quelques rares visites aux 2 détenus, une conclusion brève et sans appel. Papin Christine, Germaine Clémence et Papin Léa Isabelle, prévenus d'homicide volontaire, sont responsables de leurs actes. Deuxièmement, Papin Christine et Papin Léa, au moment des crimes qu'elles ont commis, n'étaient pas en état de démence dans le sens de l'article 64 du Code pénal. Troisièmement, l'examen psychiatrique ne révèle ni chez Papin Christine ni chez Papin Léa aucune anomalie mentale ou psychique de nature à atténuer dans une certaine mesure leur responsabilité. De même pour l'examen biologique, fait au Mans le 1er juin 1933. Christine et Léa, saines d'esprit et responsables. Et pourtant, 1 mois et 12 jours plus tard. J'ai l'honneur de vous rendre compte que la fille Papin Christine est dans un état très excité. J'ai dû la nuit dernière lui mettre la camisole de force pour empêcher qu'elle s'arrache les yeux. Cette prévenue a déclaré qu'elle avait l'intention d'enlever les yeux à monsieur le juge d'instruction, à maître Brière et aux surveillantes. Thierry Eugénie, âgé de 55 ans, sans profession, co-détenu à la maison d'arrêt du Mans, 12 juillet 1933. Hier matin, Christine Papin, qui était couchée, s'est levée d'un bond, s'est précipitée vers la fenêtre et a saisi les barreaux à pleine main, s'est écriée « Pardon, pardon, je ne recommencerai plus ». Elle paraissait dans un état de surexcitation extrême, essayant même de s'arracher les yeux. Madame la gardienne-chef a fait venir sa sœur Léa. Quand elle l'a vue, elle l'a prise dans ses bras et l'a serrée à l'étouffer. Puis s'étant assise sur l'invitation de la surveillante, sur le bord du lit avec sa sœur, elle a enlevé sa chemise et dans un état d'exaltation croissante, elle lui disait « Dis-moi oui, dis-moi oui ». Elle avait des yeux effrayants et demandait à la surveillante de la laisser seule avec sa sœur. Christine, à longueur de nuit, appelait sa sœur comme un amant en état de manque. La société n'était pas la même que maintenant. On se voilait la face. On se voilait tellement la face qu'au procès, parce que tout de même, ils y avaient pensé, un drame de l'homosexualité, ils y avaient pensé, puisque le président du tribunal a demandé à Christine Papin, est-ce que vos liens avec votre sœur dépassaient les liens normaux entre deux sœurs?
Non, monsieur le président. Très bien, asseyez-vous. Léa Papin, vous avez entendu la question que j'ai posée à votre sœur. Est-ce que vos relations étaient normales? Des relations normales entre deux sœurs? Oui, monsieur le président. Très bien, asseyez-vous. Terminé! Terminé! C'est fini! Alors, je veux bien que madame Lancelin ait été une femme très à l'abri dans son cocon bourgeois, très à l'abri des choses de... des choses de l'amour, mais tout de même. Retour en arrière. Dans la Sarthe du 9 juin, c'est Bocage qui avait couvert la reconstitution des meurtres. Les deux sœurs sont arrivées chacune dans un taxi réquisitionné par le parquet. Les premiers taxis de leur vie, sans doute. Et l'un des chauffeurs s'appelle Papin. Dans la pénombre d'une mes explications. Je ne vous avais pas dit toute la vérité. Quand j'ai attaqué Madame Lancelin, celle-ci ne m'avait pas provoquée. J'ai été prise d'une crise nerveuse et je me suis précipitée sur elle sans qu'elle s'y attende. Après le crime, je n'ai pas voulu dire exactement ce qui s'était passé parce que nous avions convenu, ma sœur et moi, de partager également les responsabilités. Mais je viens d'avoir une crise pareille à celle que j'ai eue quand j'ai frappé Madame Lancelin et j'ai eu une sorte de rappel de mémoire. En ce moment, mon état d'excitation nerveuse ne me permet pas de signer ma déclaration. L'inculpé est en effet, comme nous le constatons, étendu sur son lit, les mains attachées et le corps dans une camisole de force. Elle prend tout sur elle. A-t-elle voulu sauver Léa? Nouvelle expertise de Schutzenberger. Le chef de la maison d'arrêt du Mans ne relève pas de la pathologie mentale. Christine s'est livrée à un accès de colère et à des actes de simulation pour cesser d'être séparée d'avec sa sœur. Son verdict permet au juge d'instruction de boucler le dossier. C'est simple, ce crime de folle a été commis dans un accès de colère par deux filles saines d'esprit. Tout est en ordre. La ville va pouvoir juger. Oui, est-ce que je peux parler à monsieur Messager, s'il vous plaît ? J'étais sans doute un peu naïve de penser que 67 ans après, j'allais pouvoir découvrir quelque chose de vraiment nouveau sur le crime. Ça fait combien de temps que cette salle ? Pourtant, quelque chose me dit qu'il faut continuer. Et autant aller jusqu'au bout. C'est ici qu'on les a jugés. C'était le 30 septembre 1933. Là-bas, dans la petite salle d'audience bondée, 40 journalistes et leurs juges les attendaient. Ça, c'était l'accès... L'accès du aussi. Pour la salle d'audience. Ouais. C'est-à-dire les détenus arrivaient par ici, la police était là. Il est rentré directement dans la salle d'audience. Ça communiquait directement avec la prison. Avec la prison, par derrière. C'est ce qu'on appelait nous, la souricière. Vous avez là les inscriptions justement. Et sur le mur de ce qu'ils appellent la souricière, une inscription au crayon. À 6 de septembre 1933. Cinquième jour. Fille Papin, Christine et Léa. Double assassinat, mort et 10 ans de travaux forcés. Elles se sont assises là sur cette banquette en moleskine en attendant le verdict. 13 heures d'audience, 40 minutes de délibération, la mort pour Christine et 10 ans de travaux forcés pour Léa. Je suis sûre qu'elles n'ont pas pleuré. Christine a les doigts noués et crispés. Pas une fois durant ces 13 heures, elle ne lèvera les paupières. Léa, les mains dans les poches, regarde droit devant elle, en louchant dans le vide. Quand le président les interroge, elle se lève bien poliment, répond quelquefois, quelques mots en remuant à peine les lèvres, si bas que nul n'entend le moindre son. Et ces rares mots murmurés, quand le président les répète, on frissonne. On vous rappelle tout à coup que ce sont...
sont ces filles minces, timides et polies qui, en folle de fureur, acharnées jusqu'à l'épuisement, massacrées durant 20 minutes deux femmes qui ne leur avaient rien fait. Qu'avez-vous fait quand Madame Lancelin vous adressait la parole? Je l'ai alourdie. Et qu'avez-vous dit à votre sœur Léa quand elle est descendue? Je lui ai dit arrache-lui les yeux. Et vous, Léa, qu'avez-vous fait sur le cadavre de Mademoiselle Lancelin? Des incisures. Tout cela répondu, sans émotion, du même ton, comme les petits enfants récitent le catéchisme. Est inexplicable parce que les criminels sont préjugés responsables et qu'il n'y a pas en effet de suffisante explication logique. La défense demandait une nouvelle expertise authentique. Elle a été déboutée. Les jurés paysans n'ont pas besoin d'explication. On ne va pas demander à une bête puante si elle le fait exprès. Solution simpliste qui ressemble étonnamment à une erreur judiciaire et laisse le problème entier. Problème de pur principe. Enfermée pour la vie dans un asile ou à la centrale, les sœurs Papin devaient en tout cas être mises hors d'état de nuire. En accordant à Léa les circonstances atténuantes que son avocat ne demandait pas, les jurés ont commis la pire faute. Ils ont condamné comme responsable une fille qui ne l'était pas. Et ils remettront en liberté dans 10 ans une bête fauve qui ne devrait vivre qu'en cage, non par punition mais par précaution. A-t-on condamné deux folles? Pour la presse qui dénonce avec véhémence le parti pris des 3 experts de l'accusation, aucun doute n'est permis. Le docteur Dachary a été médecin-chef de l'hôpital psychiatrique du Mans, comme Schutzenberger à l'époque. Bon, si aussi Police Magazine titrait à tout condamné de folle, c'est qu'il y avait déjà quand même le sentiment que les experts commettaient une erreur, enfin... Alors, effectivement, et le docteur Logre, qui était présenté par la Défense, a bien souligné qu'il y avait certains aspects qui paraissaient être de l'ordre de la pathologie. Et qu'en particulier, il insiste, et je crois que c'est le point tout à fait essentiel, et qui signe la dimension pathologique du passage à l'acte meurtrier, c'est l'absence de raison véritable pour un passage à l'acte de cette nature, du moins dans ce qui est exprimé, et la disproportion entre la réaction de Christine Papin et certainement ce qui était à l'origine, la phrase, le mot, la parole qui ont été à l'origine de ce passage à l'acte. Et il se posait la question de savoir s'il n'y avait pas des signes d'aliénation mentale. Il avait même parlé d'hystéroépilepsie, qui était un diagnostic souvent utilisé à l'époque, qui n'est certainement pas le diagnostic de la folie dont était déjà atteinte Christine Papin, puisque j'ai personnellement la conviction qu'elle était atteinte d'une maladie mentale. Mais malheureusement, les symptômes étaient ceux de ce qu'on peut appeler une schizophrénie latente, c'est-à-dire que la maladie, le trouble de la personnalité était en préparation, mais ne s'exprimait pas, sauf vraisemblablement dans certains moments de très grande tension, au cours desquels elle exprimait une colère avec des violences qui ont été tout à fait impressionnantes, qui ont été signalées bien avant les faits par différentes personnes qui ont eu à voir ce type de manifestation émotionnelle. Et par exemple les détenus, mais aussi un commissaire de police qu'ils étaient allés voir, mais aussi une scène auprès de la mère de Christine Papin, de Léa Papin, où effectivement ces témoins avaient été impressionnés par le regard implacable et insoutenable de Christine Papin. Est-ce que vous pensez que les experts qui étaient commis ont subi une pression?
Je pense pas de la part du procureur. Enfin, l'expérience que j'ai, ça fait 32 ans que je fais des expertises. Nous sommes très indépendants, l'expert, et je pense qu'il en était de même à l'époque. Mais que par contre, Le Mans était une petite ville, hein, où tout le monde se connaissait plus ou moins. Et la pression sociale a dû être tout à fait considérable, effectivement. Non seulement parce qu'il s'agissait de deux domestiques qui avaient assassiné l'épouse et la fille de quelqu'un d'honorablement connu, de la bonne bourgeoisie Mansell, mais aussi en raison du caractère absolument horrible et effrayant du passage à l'acte meurtrier. Et en particulier, je pense que cette énucléation, cet arrachement de l'œil, est quelque chose qui a été dans le vécu collectif local, quelque chose d'absolument effroyable. Et puis, on a décrit effectivement d'autres atteintes corporelles insoutenables. Oui, je crois, dans le contexte social de l'époque, il fallait la punition. Voilà, c'était clair, c'est une manière d'exorciser quelque chose d'insupportable, dont on ne voulait pas que ça se reproduise. Il fallait exorciser quelque chose d'insupportable. La ville avait jugé les meurtrières, ces meurtrières, affaires classées. N'empêche que le mystère restait entier. Christine n'est pas montée sur l'échafaud. Bien qu'elle ait refusé de signer sa demande de grâce, sa peine a été commuée en travaux forcés à perpétuité. Et le 9 février 34, ordre est donné de transférer les deux sœurs à la centrale de Rennes. 4 heures de route dans un fourgon cellulaire. Pour arriver ici, passer sous ce porche de pierre. Ont-elles pu se parler? En avaient-elles seulement envie? Elles ont été enregistrées sous les numéros matricules 8677 et 8678. Les sœurs Papin, Christine, objet de la présente notice, et Léa, objet d'une autre notice, ont dans une crise de colère donné la mort à leur patronne, Madame et Mademoiselle Lancelin, dans des conditions de férocité inouïe. Les deux sœurs ne sont dignes d'aucune pitié. Le régime le plus dur et le plus sévère doit leur être réservé. Le procureur de la République. Je voudrais correspondre avec ma mère et ma sœur Léa pour me dire comment faire. Christine Papin, 8677. Monsieur le directeur, j'ai bien reçu la lettre que ma chère fille Léa Papin m'a écrite en arrivant à l'établissement. Un échange de lettres qui m'apprend que le contact a été renoué entre la mère et les filles. Comme si après le crime, à cause du crime peut-être, Clémence avait repris possession de ses filles. Je sous-signais Dr Porez, médecin de la maison centrale, certifie que l'état mental de la détenue Papin Christine. Et puis derrière la sécheresse de ses notes administratives, la descente aux enfers de Christine. Papin Christine est depuis plusieurs jours en cellule d'observation. Mise en présence de sa sœur Léa, elle ne manifeste aucune émotion, ne prête aucune attention aux amabilités que celle-ci lui fait. Elle ne reconnaît pas sa sœur. Ce n'est pas Léa, c'est une autre. Elle est bien gentille, mais ce n'est pas ma sœur. Si c'était ma sœur, je ne serais pas dans l'état où je suis. Elle fixe longuement Léa et dit « Ce n'est pas Léa ». Elle croit que sa sœur s'est abaissée et qu'elle est revenue chez son ancien maître. Prière à monsieur le directeur de l'asile départemental d'aliénés de Rennes de vouloir bien faire prendre à la maison centrale la nommée Papin Christine. Prière. Dans le registre de l'asile, le médecin-chef a noté semaine après semaine, mois après mois, les étapes de la lente agonie de Christine. La progression du mal. À sa mère et à sa sœur Léa. État physique précaire. Les forces de la malade faiblissent progressivement et une issue fatale est à craindre dans un délai rapproché. La malade serait heureuse d'avoir de vos nouvelles. Décédée le 18 mai 1937, à 21h, par suite de cachexie vésanique. L'histoire de Christine Papin, meurtrière, se termine là dans ce registre. A-t-elle revu sa sœur avant de mourir? Léa était-elle présente quand on a enterré Christine? Rien dans ses papiers ne l'indique.
et encore 6 ans pour Léa. Monsieur le directeur, je viens vous demander à être déclassé de l'atelier 2, car je me sens très fatiguée d'être toute la journée debout, et l'odeur de la benzine m'accommode beaucoup. C'est pourquoi, ayant encore 5 ans à faire, je désirerais faire ce temps assise. Recevez, monsieur le directeur, l'expression de mon profond respect, Léa Papin. Dans son dossier, une demande de recours en grâce, rejetée. Et puis plus rien, jusqu'à cette lettre écrite par elle, 2 jours après sa libération. Nantes, le 5 février 43. Monsieur le directeur, j'ai été libérée le mardi matin 2 février. Je me suis rendue à Nantes comme vous avez demandé. Voici mon adresse. Hôtel de la préfecture, 21 rue du Port Communeau, chez monsieur et madame Piekel. Léa Papin. Nantes. C'est là que Clément s'est enterré. C'est là qu'il faut aller, peut-être la fin de l'histoire. Nantes où Léa était assignée à résidence. À quoi pouvait-elle bien ressembler, Léa, quand elle a débarqué là-bas, 10 ans jour pour jour après le crime? Est-ce qu'il pleuvait comme aujourd'hui? 1943, c'était la guerre, l'occupation. Une petite valise à la main, elle descend d'un train rempli de soldats, une adresse griffonnée sur un bout de papier, elle demande son chemin. Ça a dû ressembler à ça. Avant toute chose, allez voir la tombe de Clémence. Léa est peut-être là. Clémence Mélanie de Ré Papin, 1879-1957. Pas de trace de Léa, de Christine non plus. De Ré Clémence Mélanie, divorcée Papin. 77 ans, 76 rue du Colonel Boutin. Ça, c'est l'adresse au moment du décès. Oui. Et là, on a 3 rues de l'Industrie. Oui, alors ça, c'est la personne qui a acheté la concession. Alors, elle a été achetée par Mademoiselle Papin Léa, couturière, 3 rue de l'Industrie à Nantes. Donc, elle a été achetée en 59 En avril 59. Elle est maintenant dans le carré X, 6e rang, 11e tombe. D'accord. Cette concession a été renouvelée par la 70 683 par Mademoiselle Papin Léa, 13 rue d'Aubray, 44 000 Nantes, à compter du 34-1989. Donc jusqu'en 2019. Voilà. Ce champ-ci. Bonne foi. Écoute. Ils croyaient tous que Léa était morte en 82. C'est faux. En 89, elle était vivante. C'est ce que disait le registre du cimetière. Il y a 11 ans, elle était encore vivante. Ce n'est pas beaucoup, 11 ans. Sauf quand on essaie de suivre d'adresse en adresse le parcours de 2 ombres condamnées à vivre ensemble, la mère et la fille.
dans cette ville que je ne connais pas plus que Léa quand elle est arrivée. Les bulldozers ont transformé les traces du passé que je suis venue chercher en un présent qui ne m'évoque rien. Quand la nuit sera complètement tombée, je me rendrai à sa dernière adresse. Là où la jeune fille farouche de la photo vivait encore en 89. Pourquoi la nuit? Pourquoi pas? C'est une nuit que tout a commencé. Là, d'un seul coup, dans la nuit nantaise, son nom, son vrai nom. Comment dire ce que je ressens dans cet escalier, ce qui à chaque marche fait battre un peu plus fort mon cœur. Des chambres de bonne, une carte de visite jaunie par le temps. Si je sonne, est-ce qu'elle viendra m'ouvrir? Mademoiselle Papin? Oui, oui, je suis madame. Elle n'est plus là, mademoiselle Papin, elle est hospitalisée. Elle est donc tombée malade il y a un an, mois d'octobre 98. Donc il y a une voisine qui s'inquiétait de ne pas la voir et puis qui est montée. Bon, on savait qu'elle était un petit peu malade, hein, puisqu'elle avait déjà eu une petite attaque. Hein. Et là, elle ne répondait pas un dimanche soir et puis elle l'a trouvée étendue. Quoi, et elle m'a demandé de monter. Alors je suis monté et malheureusement, bon, elle était donc tombée, elle ne pouvait pas se relever, elle ne parlait plus. Puis elle semblait se plaindre, c'est du côté droit, je crois. Et donc, elle a été hospitalisée. Et maintenant, donc, depuis un an, elle est paralysée du côté droit. Et surtout, elle n'a pas la parole. Encore, si c'était que le côté Léa, droit. Elle est vivante. Mais elle comprend très, très mais bien. Mais elle n'est plus là, me disent les voisins. Moi, de toute façon, le soir, quand on l'a relevée, si vous voulez, couper le gaz et l'électricité tout de suite, hein, pour des raisons de sécurité. Hein. Mm-hmm. Notamment, bon, elle nous a fait froid un petit peu dans le dos parce qu'elle avait son radiateur à gaz. Il sentait la veilleuse, une femme comme ça à l'extérieur, elle avait du linge à proximité. Le linge à sécher devant, un pot de yaourt par terre ouvert auprès de la flamme, on n'a pas compris. Mais bon, ça, elle avait dû sortir du frigo, c'était pour réchauffer le yaourt. Enfin, elle est mieux où elle est que là, parce que. Disons qu'elle est encadrée, quoi. C'était pas prudent, jusque-là. Vous la connaissiez dans l'immeuble ou c'était juste... Nous, ça fait 25 ans qu'on est là, 25 ans qu'on la voit trottiner, toujours la même dans l'immeuble. Et puis, là, c'était une personne qui était très, très avenante, hein, très, très causante, très sociable hein, pour une personne qui vivait seule. Ils ne savent pas qui elle est, ou plutôt qui elle a été. Elle descendait à... Ils parlent d'une Léa si différente de celle que décrivait Paulette et la journaliste de François. À qui parler, ce qui est logique. Bah, comme moi, je travaillais à l'époque, j'avais pas toujours le temps, alors... On lui ramenait quelques courses, mais hein, des packs de lait. Mais je crois bien qu'elle devait stocker le lait de manière à ce qu'on vienne, à ce qu'on en ait besoin plus souvent. Elle ne devait pas tout utiliser. C'était pour nous voir, hein, moi, c'est tout le temps. Elle travaillait dans ce qu'elle appelait, elle, en maison bourgeoise. Quoi. C'est donc des gens qui... Enfin, moi, pour moi, c'est quoi, ce qu'on appelle, à un moment donné, les employés de maison. Pour moi, c'était ça, en fait. Oui, mais je pense qu'elle s'occupait aussi des enfants, hein, d'éducation, oui, certain, d'éducation des enfants. Et puis...
je vois les gens de Perpignan, elle allait en vacances chez eux, elle avait des amis à Perpignan, je pense qu'elle faisait surtout partie de la famille, hein, plus qu'une employée. Hein, c'est... Avec sa mère, je pense qu'il y a eu, mais il y a certainement quelque chose, parce qu'elle pleurait quand elle était de sa mère. Ah, t'en as parlé, moi je n'ai pas parlé. Ah oui. Oui, il y a certainement quelque chose, je sais pas quoi. Donc elle n'en parlait pas vraiment. Par contre, elle n'a jamais parlé de son père, alors ouais. Là, je sais pas. Elle n'en parlait jamais. Jamais son père. Et sa mère, c'est donc ça. Quelquefois, allusion à sa mère. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé exactement, à mon avis, avec quelque chose, je ne sais pas quoi. Ben oui, qu'elle était à l'orphelinat, donc ça, déjà, c'est. Oui, il y a du certain raison. Un problème au départ. Il y a une raison, quand même. Sa famille, c'était. Ah, bah, Rémi. Sa famille, c'était Rémi. Rémi, revenait tout le temps. Malgré que, apparemment, ce n'était pas de sa famille, mais c'était comme. Et vous savez d'où il venait, ce Rémi? Justement, de cette famille bourgeoise. Là. Je pense d'une famille chez qui elle aurait travaillé, quoi. Je pense donc que elle se serait occupée de lui petit. Ah oui, oui, tout petit. Tout à fait. Bébé, c'est ça, c'est pour ça qu'elle était attachée. C'est sûrement ça. Elle avait connu tout petit. Et puis, elle avait cette division, hein, avec son feuilleton. C'est quoi son feuilleton qu'elle regardait? Ah oh, comment ça s'appelle à 14h, tout le monde regarde ça. Les feux de l'amour. Les feux de l'amour. Ah, il ne fallait pas la déranger à cette heure-là. Ah, ben bah, ça, il n'y a pas d'intérêt. C'est quelque chose qui l'intéressait. Enfin, c'est moi, bon, c'était sûrement une compagnie. Et puis, bah, elle avait le téléphone aussi. Hein. Je pense qu'elle recevait des coups de téléphone aussi, un petit peu quand même, hein, le contact. Hein. Ouais. Ouais. Enfin, dans l'immeuble, tout le monde la connaissait. Et... faisait partie de pas de la famille, mais enfin, disons, du groupe. Quoi. Ah bah, c'est une personne qui a apprécié tout l'immeuble, de toute façon. Ah, ouais. Tout le monde la connaît. Qu'est-ce qu'il connaît, Pauléa? Ah, ouais. La trottinée. Et à Papin, une femme plutôt gaie et un peu bavarde, que tout le monde dans l'immeuble aimait bien. Léa s'était refait une vie, ou un semblant de vie. Elle avait même élevé un enfant. On devait l'appeler Mademoiselle Léa. Elle avait gardé son vrai nom. Et pourtant, personne ne semblait connaître son passé. Il est là, son passé. Chez elle, derrière une pile de linge soigneusement pliée, j'ai trouvé un journal daté du 24 septembre 1933, 6 jours avant le procès, qui a découpé l'article manquant. Clémence, sans doute. Cachée dans le journal, les photos d'avant. Les photos que Clémence avait gardées et Léa après elle. Léa en 43. Léa, 2 ans. Christine et Léa. Il faut aller au bout de l'histoire. Il faut encore pousser la porte de la chambre. Léa. Thank you.
Léa. Léa qui ne peut plus parler. Léa qui ne pourra plus jamais parler. Léa, la seule qui sait. Et moi, je repense à ce qu'elle avait répondu là-bas au Mont, il y a si longtemps, au juge d'instruction qui l'interrogeait, quand elle avait dit « Maintenant, je suis sourde et muette. » C'est peut-être mieux comme ça.